Bien souvent, lorsque les concurrents d'un même marché parlent de leur business, ils voient leur univers comme un environnement fermé. Cela donne l'image d'un terrain de jeu, aux limites et dimensions clairement définies, avec un nombre de joueurs identifiés, utilisant des règles de fonctionnement acquises grâce à des années d'expérience et d'expertise technique de leurs produits et services. Nombreux sont les cas où cette conception a amené à un enfermement, occasionnant la disparition de sociétés trop confortablement installées. Ce qui a causé leur perte pourrait être qualifié d'autisme, caractérisé par des difficultés de l'apprentissage et de communication avec des comportements stéréotypés et persévératifs sur leur marché. Revoyons déjà le terrain de jeu. En fait, un marché a la forme d'une patate. Ses contours sont régulièrement remodelés sous l'influence de facteurs n'appartenant pas au marché. Les joueurs victimes d'autisme restent focalisés sur leur concurrence directe au sein de l'arène où ils évoluent. C'est légitime, mais insuffisant. C'est vers l'extérieur du marché, avec un regard lointain et à 360 degrés, que les acteurs du marché doivent se tourner pour imaginer et anticiper les évolutions futures de leur propre marché. Chaque marché fait partie d'un marché plus large. Les marchés sont de plus en plus susceptibles de se rapprocher ou de se dissocier à mesure que les technologies remettent en question les barrières à l'entrée. L'observation et l'analyse des événements environnants va donc permettre d'identifier les tendances susceptibles de modifier les règles de fonctionnement du marché existant. Ces tendances peuvent avoir une influence positive ou négative avec différents degrés d'impact, c'est-à-dire mineurs ou majeurs. Pour pouvoir recenser, lister et prioriser ces événements, il faut partir des acteurs susceptibles de reconfigurer le marché tel qu'il a existé jusqu'à présent. Hormis les phénomènes naturels que j'appellerais macro-environnement, ce qui affecte un marché provient de personnes dont l'action aura parfois des conséquences en mode domino. La couche technologique, dorénavant, est omniprésente. Elle agit comme une interface entre des domaines parfois très différents. Elle accélère les évolutions. Dans la compréhension de ce qui va venir, il faut identifier la technologie qui peut être un vecteur de modification des règles du jeu ou accélérateur du changement. Prenons l'exemple pour les sociétés de taxi si on était en 2008 pour les déplacements de loisirs. Voici comment j'ai développé une méthode en mode A, B, C à partir d'un tableur pour anticiper les évolutions du marché des taxis il y a 10 ans par rapport aux touristes dans les grandes villes. C'est un cas fictif. Voici comment procéder. A. Remonter au niveau global. Le marché du taxi, en fait, et plus globalement celui de la mobilité urbaine. En faisant cette première étape, qui est fondamentale, de globalisation, nous ouvrons l'horizon vers lequel nous tourner. B. Identifier l'éventuel vecteur technologique de changement. Dans notre cas, il s'agit de la connexion entre téléphonie mobile et accès Internet, et il faut noter que ce n'est pas une technologie automobile. C. Détailler chacun des événements, acteur plus de quoi il s'agit, selon leurs caractéristiques, impact, imminence, zone concernée et conséquences. Enfin, compléter avec les recommandations d'action par rapport à ces événements. La cartographie des acteurs à surveiller s'établirait donc comme ceci.